qu'allions-nous chercher à Montréal? Quelle traversée, quel mouvement? Voyage dans le temps, des Français d'autrefois ou des Français du futur? Voyage dans l'espace, chercher l'Américain en nous, ou le Français absolu, le Français ultime? Et quand on voyage, est-ce une fuite ou une curiosité? Une quête ou un repli? Une peur? Qu'est-ce qui nous meut? Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Qu'est-ce qui nous fait prendre les bateaux, les trains, les avions? Est-ce que l'immobilité est la solution? Est-ce que le sage est celui qui fait le tour de sa chambre, le tour de son esprit, le tour de son cœur? Et le tour du monde, c'est quoi? Ce fameux voyage qui forme la jeunesse et qui déforme les pantalons. Qu'est-ce qu'un voyage? À l'heure où la moitié du monde rêve juste de vivre dans l'autre, à l'heure où les frontières se ferment, être là dans des avions luxueusement allongés, dans des plateaux au repas à la fois infects et sublimes, servis par des femmes et des hommes en bleu, où la fumée est interdite et où les nuages défilent comme un paysage horizontal. Qu'allions-nous chercher à Montréal? C'est quand on ne cherche rien qu'on trouve, c'est quand on ne veut rien qu'on obtient. Ne souhaitons rien, ne voulons rien, prenons.